Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La notion et le droit du voisin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, il dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collège. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent de leur rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, bien traité, le voisin constitue une noble valeur qui renforce les liens d'amour et d'affection, répand l'esprit de coopération et solidarité et propage la stabilité entre les membres de la société. C'est pourquoi la charia islamique accorde une attention particulière aux voisins visant aux recommandations de son droit et sacralisant son humanité à tel point que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, disait Gabriel, ne saisis de, mais recommandez du bien traiter le voisin jusqu'à ce que je crus qu'il lui consacrera une part de mon héritage. Certes, la notion de voisin, citons un voisin en résidence, en travail et en voyage. Allah, gloire à lui, dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collège et les voyageurs et les esclaves et en votre possession. En islam, le droit de voisin est bien établi. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque croit en Allah et au dernier jour qu'il traite généreusement son voisin. Par Allah, il n'est pas croyant. » Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. On interrogea, c'est qui au prophète? Le prophète de répondre, c'est celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Et quiconque croit en Allah et au dernier jour, qu'il bien traite son voisin. Parmi les biens sciences islamiques, en matière de ce bon traitement envers le voisin, le dire du prophète, si tu achètes des fruits, donne-en à lui. Sinon, apporte-le discrètement et non pas s'enorgueillir devant lui, ni de se vanter devant lui par tes capacités ou potentialités matérielles. Tu dois pas donner de ce fruit à ton fils pour en attrister le fils de ton voisin. Sinon, le cœur de père et celui de fils se préserait ce qui produirait la rancœur et la haine entre les voisins à cause de la jalousie et de l'envie. Tu ne dois pas lui nuire par l'odeur de ta marmite, à moins que t'en lui un peu. Parmi le droit du voisin, lui rendre visite en cas de maladie, le féliciter dans les bonnes occasions, lui fait condoléance en malheur, lui prête l'aide en cas de difficulté et d'observer de gentillesse avec lui. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Le meilleur compagnon auprès d'Allah est celui meilleur pour son compagnon. Le meilleur voisin auprès d'Allah est celui qu'il est pour son voisin. » Notre maître Omar ibn al-Khattab, et qu'Allah l'agrée, fait que le témoignage d'un voisin pour ou contre son voisin le plus degré de vœux l'honorabilité ou d'un vœu
d'un vœu ne rabelle-t-il. Car même s'il arrive à tromper ses voisins à jamais. Lorsqu'un voisin vint au prophète lui dire, au messager d'Allah, indique-moi une œuvre à faire pour avoir accès au paradis. Le prophète dut répondre, sois bienfaiteur. L'homme rétentorégé, comment connaître que je suis bienfaiteur? Le prophète dut dire, entourage tes voisins. S'ils disent que tu es bienfaiteur, tu es donc bienfaiteur. S'ils disent que tu es malfaiteur, tu es donc malfaiteur. La pure charia nous recommande de bien traiter le voisin en général et traiter tous les voisins avec ce qu'il faut du bien. Abu Darda, qu'Allah l'agrédisse à son épouse, si tu fais la cuisine, augmente la quantité de la soupe pour en envoyer à nos voisins. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, lui et son père, lorsqu'ils abattaient une brebis, disaient, ont envoyé un autre voisin, le juif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers de notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Notre prophète mit en garde contre nuire aux voisins. Certains allèrent au prophète lui informer qu'il y a une femme qui observe régulièrement le jeûne et les prières nocturnes, mais elle nuit verbalement à ses voisins. Le prophète dut répondre, elle sera en enfer. Nous affirmons que les droits du voisin ne restreint pas à cesser de lui apporter de la nuisance pratique au verbal. Il exige également de supporter sa nuisance. Al-Hassan al-Basri dit, le bon voisinage n'est pas seulement le fait de ne pas nuire à lui, il est plutôt le fait de supporter la nuisance. Le récompense en sera de la part du Seigneur de l'univers. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui patiente et pardonne, fit un des actes de la bonne volonté. Le droit de voisinage n'est pas seulement celui des individus, c'est également le droit des pays, à l'instar des droits mutuels des voisins, les pays ont le droit de voisinage, donc préserver les frontières, respecter les pactes et engagements, œuvrer pour que le pays voisin ne soit pas attaqué via son voisin et de secourir le pays voisin en cas de demande. Ô Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.